Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode, pardon, de Resident Evil 0, donc le deuxième. Donc j'ai laissé les rubans encore par terre et là je m'apprêtais tout simplement à reprendre des images de l'usine de traitement. Oui, on s'en fiche. Je voulais tout simplement reprendre les munitions du fusil. Et on va continuer à explorer les lieux tout simplement. Donc j'espère qu'on va pas trop tomber sur des zombies sans su, etc. Parce que clairement j'ai pas de truc de feu sur moi. Donc ça serait un peu problématique, va-t-on dire. Donc là, il y a un ascenseur, faut que je prenne ça. D'accord, donc on descend. Ok. Alors, toi. Ok, bon. Eh ben, sacré arrivée d'accueil. Comité d'accueil, on va dire, hein. Bon. Des zombies. En soi, des zombies, rien d'anormal dans Resident Evil. Ils étaient nombreux, quand même. Ah, il y a des bouteilles. Ah, mais il n'y en a pas de bidon d'essence pour l'instant. Ah, on a des nouvelles plantes. Bon, on va les laisser là, écoutez. Examinons un peu les lieux, histoire de voir. Si rien ne nous échappe. Bon, il y a rien d'avoir. Il y a l'air d'y avoir rien. Hein. Alors, c'est parti. Du coup, il y avait une porte. Là. Par contre, du coup, on n'a plus accès à l'ascenseur. Je sais plus trop. Je crois qu'on a plus accès à nos munitions qu'on avait avant. Oh punaise. Cours, Hello. Les amis, je cours tout simplement pour la bonne et, la simple et bonne raison, pardon, que les zombies sans su, si on n'a pas de trucs de feu, on ne peut pas les toucher. Et comme pour le moment, j'ai rien à un plan. Oh, un plan. Yes, un nouveau plan. Ouah, ça a l'air d'être un gruyère ce truc. Alors, carte de l'usine de traitement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ici? On vient de cette porte, nous, hein? Ah, il faut descendre. Bon. On n'a pas trop le choix, hein? Allez, c'est parti. J'espère qu'on va retrouver Billy. Alors. On peut pas monter dessus? Il se passe rien? Ah, il y a de la place pour une batterie. Ok, donc il faudrait qu'on trouve une batterie pour s'en servir. Il y a un truc qui brille là-haut, je rêve. Oh oui, ça brille. Donc il y a un truc à faire ici. Ok. Donc on a des plantes. Attendez. Maintenant, la porte, c'est pas... On vient pas de la porte. On vient de descendre un escalier, nous. Il est où l'escalier? Ah bah il est là. Ok. Donc l'escalier est là. Donc la porte, c'est un endroit où il faut qu'on aille. Bon alors, c'est parti les amis. Il y a des munitions, mais ça c'est pour Billy. C'est quoi ce truc? Cette commande régule le remplissage de l'évacuation de l'eau. Dans le réservoir, elle contrôle aussi la rotation de la rampe. Non, on l'utilise pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ah d'accord, il faut qu'on récupère la vanne qui est de l'autre côté. Ouais, mais ça, il nous faut Billy. Ouais, il nous faut tonton Billy pour ça. Ah, il y a une porte. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve Billy. Donc ça veut dire que Billy n'est pas mort.
accessoirement. Oh! Oh. Encore une autre porte? Attendez, j'ouvre le plan parce que ça me paraît énorme. Ouais, c'est tout. On fait que descendre. J'aime pas ça. Billy! Cinématique, les amis. On a retrouvé Billy. Genre, le gars, il a fait des chutes, il a été pris par un truc géant, mais tu sais, il est pas mort et tout. Il est vivant. C'est magnifique, les gens. Oh la vache, c'est glauque. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer tout ça? Ils ont dû servir de cobaye dans les expériences de Marcus. Je pense qu'il a fait pas mal d'expériences avec le virus souche. C'est dégueulasse. Billy? Ouais, bah Billy va mettre un petit temps à se remettre, à mon avis, Cocotte. Tu veux mon avis? Bah Billy est toujours pareil niveau inventaire. On est bon. Et c'est quoi? On va échanger 50 ça, Rebecca. Et Billy, il va combiner ça et ça. Mais il va rester équipé de ça, bien évidemment. Il était déjà équipé, du coup j'ai déséquipé. Et bah on a récupéré tonton Billy, les amis. Ah bah moi je suis ravie, donc on va pouvoir aller faire l'énigme qui est là-bas. Allez, c'est parti. Donc avec la vanne et tout, faut que Billy descende, que Rebecca reste en haut, je suppose, et doit y avoir un truc à faire en bas. Eh bien, ma petite chérie, on y va. Écrasons les sangsues. C'est très joyeux le clouc, le bruit à la schtroumpf que ça fait. Magnifique. Et Billy, tu sais quoi? Tu vas prendre des munitions? Bah oui, parce qu'on n'en a jamais assez. Let's split up. Okay. Alors, tu restes là, ma coquette. Et Billy va descendre et il va aller voir ce qui se trame là-bas. Nickel! Nos deux héros réunis, il n'y a qu'un épisode où ils n'étaient pas ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va monter sur les caisses, vous savez quoi? Et je pense que la grise, la foncée, va nous servir à que dalle. Il y a de fortes chances. Je voudrais descendre. Je peux descendre, s'il vous plaît? Yes. Attendez. On va prendre le point de vue de Rebecca. J'ai envie de voir un peu ce qui se passe. On voit rien? Si. Donc là, il y a une caisse. Donc en fait, il va falloir qu'on mette de l'eau pour pouvoir passer là-bas et de l'autre côté. Donc il va falloir que Billy mette une caisse là et une caisse là. Moi, c'est ce que je comprends. Ok. Donc faut qu'on fasse ça, les amis. Alors... Attendez. Monte là-dessus, toi. Rebecca, est-ce que tu peux faire pivoter ce truc? La rotation. Yes. À droite. Yes. Alors, Billy. Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Il faut appuyer sur la touche si on veut qu'il descende. Sinon, il ne descend pas, les amis. J'ai compris le délire. Maintenant, il faut juste que Billy vaille bien pousser. Eh, vas-y, jusqu'au fond, Billy. Est-ce que tu peux monter sur les caisses? Il veut pas monter sur les caisses? Et là, on fait du sport, Billy, là. Je le dis.
Alors, Rebecca, mon chou, il va encore falloir que tu fasses pivoter tout ça. Ouais, hop, allez, monte, Bibi. Bili, bili. Eh, c'est un micmac, les gens, je vous jure. Tout ça pour ça. Alors, hop. Rebecca, mon petit chou. Ils vont nous mettre 15 000 fois les messages. Allez, refais-moi pivoter ça, histoire que la porte se referme. J'ai tout à fait compris le délire qu'il voulait faire, mais... Billy? Allez, pousse ça au fond, là. Maintenant, hop, on va aller sur le côté, ici. Et pousse ça contre le mur, et Rebecca va devoir refaire pivoter la grille avant de remplir. Let's regroup. Okay. Non! I'll go alone. Okay. Non, 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 non. J'ai fait des bêtises, les amis. Ah! J'ai laissé Billy trop près. Attendez. Eh bien, Billy. Rebecca, elle veut pas t'amoucher. Voyons. C'est bien ça, les amis. Billy. Eh, c'est parti, monsieur Biscotto. Mets-moi ça là-bas. Voilà. Allez, Billy. Toi, tu vas remonter. Toi, on va pouvoir aller récupérer ce qui est là-bas. Je vais quand même fermer la grille avant, la remettre dans le bon sens, parce que je sais pas trop. Et après, on va mettre l'eau. Normalement, les caisses, du coup, vont se relever parce qu'elles sont plus légères que les caisses grises, je pense. Et je pense que ça devrait le faire, on devrait pouvoir passer de l'autre côté. Est-ce que c'est ça, les amis? Tout à fait ça. Allez, je reviens mon chou. Attendez, je dis ça, mais il n'y en a aucun des deux qui a de la place. Bah bingo. Sinon c'était pas drôle. Du coup. Let's go. Ok. Non. I'll go check over there. Yeah. Je m'en veux de laisser des munitions, les gens. Je m'en veux, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, on récupère ça. Donc c'est un le... Ils appellent ça un levier, ouais, s'ils veulent. Let's go. Yeah. Eh, suis-moi, Billy. Du coup, là-bas, c'est là où j'ai récupéré Billy. Et là, c'est de là où je venais. Attendez, il y a deux portes. Le plan. Non, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de porte. Donc là, c'est là où j'ai récupéré Billy. Et là, c'est de là où je venais, où on avait vu le monstre sans su. Donc, d'ailleurs, on va faire ça. On va prendre ça. On va s'équiper de ça. On va essayer de se le tarter, celui-là. Ok les amis, c'est parti. On est parti. Ah non, c'est pas là que je l'ai vu le machin. Alors la manivelle, elle va servir pour où par contre? J'ai rien vu de tel. Pour le moment, on n'a pas de batterie. Donc, je vois pas trop... J'examine un peu les lieux. Bon bah allez Rebecca, on grimpouille. Ah ouais, où est-ce qu'on va s'en servir de cette manivelle? Donc là ok, on avait ça. Je
Je fais un petit tour partout, les amis. J'essaie d'examiner, voir s'il n'y a pas un truc qui m'aurait échappé. Non. Rebecca qui me suit partout, j'adore. Alors, le plan. Dans cette salle-là. Là, il y a une porte qu'on n'avait pas pu ouvrir. Ah, peut-être que c'est là, les amis. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. On va sortir. On va voir. De toute façon, il faut bien trouver. Hein. Viens, Rebecca. Oh, punaise. C'est bon? Ah bah dis donc. Alors, je me suis pas fait avoir par Hunter et par le tyran, mais je me fais avoir par ça. Tout va bien. Alors, faut l'utiliser là, peut-être? C'est ça. Wouh! J'espère qu'on va retrouver du soin. Alors, qu'est-ce qui nous attend derrière? J'ai peur. Vous entendez ça trop souvent. Ah, Billy! Alors, Billy, par contre, il te reste plus qu'un cocktail. Ouais, on va pas aller loin. Allez, on entre là-dedans, les amis. C'est parti. Au moins, on aura examiné de fond en comble le niveau 4 pour l'instant. Je pense qu'il va falloir retourner à l'ascenseur à un moment donné, quand même. Hello, par contre là. C'est bon? Eh vas-y Rebecca. Ouais, en pleine tête. Alors. Par contre, Rebecca, Ah ouais, elle a plus de 5 munes. Alors Rebecca, il faut que... Mais... Ah bah, que demande le peuple, les amis. Hop, des munitions. Alors, en attention, déjà. Ah mince. Ah, ça craint, ça. Par contre... Il n'y a rien ici. On est venu là pour rien? Ah, il y a une échelle. Ah, si, il y a une porte. Non? Ouais, il y a une porte ici. Alors, ce qu'on va faire. Elle va dire. Il va lui dire de rester là et lui, il va y aller tout seul. Allez, on va aller voir à l'échelle s'il y a quelque chose là-haut. Comment il est niveau inventaire? On va échanger ça, Rebecca. Voilà, histoire d'avoir une place, comme ça si on trouve un soin, on donnera à Rebecca ensuite. Allez, je reviens ma puce. Allez les amis. Je pense que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire demi-tour, parce que j'ai l'impression que là, on va s'enfoncer et on n'a pas vu les autres étages. Où est-ce qu'il y a un zombie? Il n'y en a qu'un? Salut? Il y a des gens par ici? Bonjour? Non? Il n'y en avait qu'un? Bon, Rebecca va monter, je pense. Alors, rapport d'enquête 2. Nous devrions être rentrés depuis longtemps. Au début, qui aurait cru que cela finirait en fusillade sanglante? Personne ne nous a parlé de ces créatures lors du débriefing. Du briefing, pardon. Je suppose que le grand patron a aussi été surpris. Ces choses sont dans les bois, pardon. Elles commencent à attaquer les gens. Ça ne peut pas être un accident. Quelqu'un a délibérément propagé le virus, c'est certain. Mais les gardes, nos frères d'armes, mais doivent toujours être là.
doivent toujours être là. Oh, à quoi bon? Ce n'est plus mon problème. Il faut que je m'en occupe de savoir si je vais utiliser ma dernière balle pour me tuer ou tuer un ami. C'est la seule décision qu'il me reste à prendre. Oh, chaud, chaud les gens. Imaginez-vous, à sa place, soit vous vous tuez vous-même, soit vous tuez votre ami pour le libérer. Oh, chaud. Chaud, chaud, chaud les amis. Yes, on va monter. Maintenant que c'est secure là-haut, Rebecca va pouvoir aller faire ses petites besognes, ses petits mélanges. Alors, c'est parti pour du micmac. Échanger à Billy. Non, échanger à Billy, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et les amis, je vais laisser ça là temporairement. Donc je vous laisse le temps de vite fait faire les mélanges pour les plantes et je vous reprends après les copains. Alors voilà les amis, j'ai ramassé les rubans creux. Donc les plantes qu'on a trouvées, donc j'ai pris une verte, comme ça je suis en ok. Et j'ai combiné une rouge et une verte, on va y arriver. Pour tout simplement pouvoir avoir tout ça. Hein. Alors toi tu me suis et on va descendre. Mais pousse-toi Billy. Yes, alors on descend les amis. Ah non, il y avait la porte là-bas. On y va? J'ai peur. On y va. Parce qu'on n'a pas le coup, on n'a pas le choix, les amis. Là, il faut qu'on trouve une nouvelle salle de sauvegarde. Et je pense que au début du prochain épisode, on retournera en arrière pour aller voir les autres étages que l'on n'a pas vus. Non, c'est bon? Non, sérieux? Oh les amis, j'ai trop peur. Je pouvais pas changer d'arme à Billy, désolée, j'étais très silencieuse. J'arrivais pas à lui changer d'arme pour lui mettre l'autre. Oh punaise. Il y avait juste deux hunters qui nous attendaient derrière une porte. Oh mais c'est des fumiers, punaise. Et on en a déjà vu 6, hein. Et un petit rang depuis le début. Non mais c'est bon quoi, ils sont dingues. Oh Rebecca, des grenades incendie. Ah, une salle de sauvegarde. I'll go check over there. Yeah. Oh les amis, oh je suis trop heureuse. Des munitions. Ça doit faire un bout de temps qu'il est mort. Ouais mais je m'en fous de ça. C'est les munitions que je veux. Rien à foutre du corps. Bah les amis, je pense que ça va être un de nos points de sauvegarde des prochains épisodes, je pense. Je sais pas ce que vous en dites, mais à mon avis... Ah ouais, regardez, on a des salles à ouvrir, etc. Ah, j'hésite à aller en arrière pour aller voir un peu ce qui se trame dans les autres pièces de l'ascenseur. Ah oui, on a du soin. Là, ici, il y a une porte. Je vais laisser le soin ici. J'hésite à aller faire demi-tour pour la suite de l'épisode pour aller voir les autres étages qu'on n'a pas été voir. Billy. Rebecca, par contre, tu vas t'équiper de ça. On va combiner ça avec ça. Billy. On va laisser ça ici. Et les munitions pour Magnum, je vais les laisser là, bien visibles. Et on va partir qu'avec ça, les amis. Et comme ça, on va essayer de voir si on peut revenir un petit peu en arrière. Essayer de voir s'il y a des endroits où on pourrait aller. Non, c'est le plan que je vais ouvrir. Ouais, comme ça, on ira dans cette partie-là la prochaine fois, les amis. Et là, on va essayer de retourner là où il y avait l'ascenseur. Parce qu'il y avait niveau 1 et 2 qu'on n'avait pas visité du tout. Et ça serait bien de le faire quand même, j'avoue. Ça serait plutôt bien.
Allez, copain. J'en reviens pas qu'il y avait deux fichus hunters qui nous attendaient derrière une porte, quoi. C'est vraiment des salopards. Ils sont dingues. Ah, ça fait faire des allers-retours, mais on n'a pas le choix parce qu'il y a des zones qu'on n'a pas vues. Donc on est bien obligé, quoi. Si on loupe un petit élément qui nous permet de débloquer la suite, on est un peu dans la mouise, quoi. Est-ce que... Ouais, c'était ça, hein. Ouais. Non. Allez, c'est parti. On va faire un peu un parcours du combattant, on va dire. Ah bah. Rebecca, il y a du soin, tu vas prendre. Tu vas prendre ma coquette. Alors, est-ce qu'elle a encore une place? Non. On va échanger ça à Billy. Temporairement, les amis, le temps de faire le micmac avec les plantes. Voilà, c'est parti, on a la seconde plante. Non. Non. Combiné. Voilà, c'est parti. Alors, viens, Billy. Attends. C'était par là, hein. Ah oui, il faut descendre. Allez, on descend tous les deux. Ah non, remonte, t'es déjà descendu. Autant pour moi, les amis. Alors là, il y a encore une plante, mais écoutez, j'ai pas de place pour ça. Il y a des rubans encreurs. On n'avait rien laissé ici. Ouais, les rubans encreurs encore. On en a plein, quoi. On va les prendre parce qu'on est là, quoi, on va dire. Mais honnêtement... Ce serait vraiment pratique d'avoir les coffres comme on avait avant. Parce que franchement, là... Enfin, on a des bidons, mais bon... Ouais, j'avoue qu'on a des grenades de napalm. Je pense que ça devrait aller. C'est l'ascenseur. C'est ça. Alors les amis, on va aller au niveau 1. Hop. Voilà. Donc ça on va faire pour la fin de l'épisode. Il durera peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude les amis. Mais au moins, voilà, on aura fait les autres étages et on pourra aller pleinement ailleurs. Eh bien, Billy. Mais c'est là où on a atterri quand on a eu notre accident avec le train. Qu'on a déraillé. Il y a des monstres. Il y a même nos soins et tout. On a des sprays et tout qui traînent au sol. Un couteau. Oh, c'est ça, les amis. Ouais, je me souviens de la porte. Hé, en fait, on peut retourner dans le manoir. Bon, on n'a rien à y faire. On avait récupéré tous nos trucs qu'on voulait prendre à tout prix. Ok. Donc, le niveau 1, c'est pour ça. Ok, bon, bah, c'est parti pour le niveau 2, les amis. Je m'attendais pas à ça, je vous avoue. Alors, niveau 2, et après, bah, voilà. Quand on aura visité le niveau 2, bah, on retournera au niveau 4 pour sauvegarder. Et puis, bah, après, bah, on verra la semaine prochaine pour descendre plus. Mais à mon avis, on est à un bon 3 quarts du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, les amis, là. Je vois plus le jeu.
C'est bon. Encore un hunter? Ils veulent notre mort? Ouais? Il y a des munitions pour Magnum. On prend. Je stresse là, moi. Je stresse? Pourquoi il y a autant d'hunters? Des plantes. Bon allez, j'utilise celle-là comme ça. Hop. Alors les amis, je vais vite faire un micmac avec Billy histoire de pouvoir combiner les plantes et je vous reprends après. Alors les amis, on se retrouve. Donc c'est bon, j'ai combiné. Là, on va faire en sorte que Billy ait à nouveau des munitions. Donc c'est parti. Il y a une porte ici. La porte est déverrouillée. C'était une porte qui était bloquée. Où est-ce qu'on atterrit? Ah, on réatterrit là où il y avait la cabine. Ah, on réatterrit au tout début où on était. Ah ouais, avec l'escalier. Alors normalement, il y a un lieu de sauvegarde pas loin, Rebecca. Normalement, si je dis pas de bêtises. Rebecca, munitions. Ah ouais, on peut descendre. Ouais, on s'en fiche un peu. Allez, viens, Billy. C'est là-bas que j'avais laissé mes trucs. Très important. Yes! Oh, il y a des munitions. Pardon, Billy. Excuse-moi. Là, tu peux comprendre. Munitions, munitions, c'est la vie. Du coup, Rebecca, on va prendre ça. Les trucs de Napal. Et là, on doit être blindés tous les deux. C'est ça. Et là, je regrette de ne pas avoir laissé mes fichus rubans encreurs en bas. Parce qu'il est hors de question que j'abandonne des trucs que je vais avoir besoin après. Hop, on prend les rubans encreurs. Parce que là, en fait, j'ai encore des grenades. J'ai encore des grenades quelque part. Ouais, là-bas, derrière, c'est bien ce que je pensais. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Rebecca laisse un soin là. Ouais, du soin, on peut retrouver facilement, les amis, je pense. Plus que les munitions. Allez, on va faire ça. Voilà les amis, on a nos dernières grenades. On prend tout ça. Et c'est parti, on sauvegarde. Bon, écoutez, l'épisode aura peut-être duré un tout petit peu plus que d'habitude. Et encore, je sais pas trop avec les cuts que je ferai par moment et tout. Mais voilà, on s'arrête là pour ce 12e épisode les amis. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. Des bisous à tous, bye bye.